Salut la famille, le 237 est en train de prendre feu, ça brûle, ça brûle, c'est fort, c'est trop fort. Maman Lady Ponce vient de faire un post fracassant. Je ne sais pas à qui s'adresse ce post, mais j'ai comme impression quand je lis, c'est comme si ce post s'adresse à Papa Tarot. Je lis un peu, hein. Vous allez vous-même comprendre à qui s'adresse ce poste. Maman Lady, elle écrit, vous savez que Papa Tarot en train de traverser les moments difficiles avec sa femme. Donc, elle écrit et ça y a un peu les traces. Je vous dis que les vrais hommes ne se pavanent pas sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à tout le monde. Pour commenter ce qui ne les concerne pas. C'est pour cela que les vrais hommes vont toujours faire le vrai boulot sur vos femmes. C'est pour cela que les vrais hommes vont toujours faire le vrai boulot sur vos femmes. Écoutez très bien. Elle continue. Le boulot que vous êtes incapable de faire dans vos foyers, ils vont bien binda vos femmes. Et une femme mal binda partira toujours de son foyer. Une femme mal binda partira toujours de son foyer. Peu importe ce que tu lui achètes ou lui donnes. Adama, vous comprenez? C'est comme si ton ciel terre, tu ne binda pas bien ta go dans ton foyer. Eva Nyongo. Plus loin, elle dit, quand Dagobert ne réagit pas comme il faut, elle partira. Et vous allez toujours venir sur Facebook pleurer, appeler les médias pour mentir, pour laver votre image en salissant la femme. Parce qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle ne connaît personne dans les médias. Donc vous allez toujours prendre, comme vous connaissez trop les médias, prendre les blogueurs, les influenceurs et autres pour laver votre image et salir pour la go. Parce qu'elle ne connaît personne. C'est Lady qui dit. Voici la partie qui a commencé à me finir. Alors que toi-même, tu sais que tu fais semblant d'être homme. Vous comprenez? Tu fais semblant d'être homme. Ton Dagobert ne répond pas bien. Tu es obligé de voiler les yeux des gens en te mariant. J'espère seulement que tes patouzes avec mon ancienne dans... Mais j'espère seulement que tes patouzes avec mon ancien danseur de regretté mémoire. Qui? Willy le Sicilien? Ou bien? Bref, je continue d'abord. J'espère seulement que tes patouzes avec mon ancien danseur de regretté mémoire ne lui ont pas donné la maladie qu'il a emportée. Celle que toi-même, tu as là. Quelle maladie? Adama, c'est fort. Je relis un peu la phrase, hein. C'est trop fort, les gars. J'espère seulement que tes patouzes avec mon ancien danseur de regretté mémoire, ne lui ont pas donné la maladie qu'il a emportée, celle que toi-même, tu as là. Paix à son âme. Facebook est bien pour ce genre d'homme femmelette qui se marie pour cacher leur vraie orientation sexuelle. Facebook est bien pour ce genre d'homme femmelette. Donc, homme-femme, vous comprenez un peu, non? Les gars du lycée bilingue qui se marient pour cacher leur vraie orientation sexuelle. Ils sont pleins dans nos foyers. C'était signé Maman Lady. C'est qui me wanda sur le poste là, mon frère. En 2 heures de temps, Lango a 10 754 commentaires.
Mais ça, c'est ce qu'on appelle le match retour. Si c'est vraiment à la personne qu'on pense là, qu'elle a écrit ça, c'est ce qu'on appelle le sandam. Vous vous rappelez de l'affaire de Fally, non? Quand Lady Ponce était levée pour dire que, oh, Kamtel, pas prendre un étranger, pourtant nous sommes là. Bataro avait dit que, quand toi, on t'avait d'abord donné le cachet avant, tu avais parlé. Maintenant, comme on t'a pas appelé, tu veux ouvrir ta bouche pour saboter Kamtel que c'est monté, c'est descendu. L'angoisse m'a croisé le doigt que, ok, ton tour arrive bientôt et je vais te répondre. Je suis sûr que c'est ça, alors le match retour. Mais c'est dosé, maman. C'est dosé. C'est dosé. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille dans ce continent, il faut qu'on trouve un autre nom. Le continent là, est déjà faible. Il faut qu'on trouve un autre nom pour le 237. C'est fort. Vous comprenez les mots? Maman lui dit, toi, tu viens au marché. Les choses qu'on parlait dans la chambre. Les choses qu'on parle même aux toilettes, on se lave. Toi, tu viens au marché, maman. Tu verses ses mains. Hey! Mais le showbiz fait peur, mes amis. On parle, on rit comme ça. Le showbiz camerounais fait peur. Oui. Le showbiz camerounais fait trembler. Oui. Donc, c'est vrai que beaucoup de gars qui passent autant à nous donner les conseils qu'éviter ceci, éviter cela. Oui. Moi, je ne comprends plus rien. Parce que tout récemment, notre tonton là faisait les vidéos pour conseiller les jeunes que, bon, vraiment les jeunes, et ne trempez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça, juste à, il avait même dit que, il y a un jeune là qui voulait faire la musique, il était venu nous voir, qui veut tremper, tout là, et que non, mon petit, il faut travailler. J'espère que maman l'a dit, ne fais pas seulement ce genre de poste pour le gâter. Bref, je ne sais même pas d'abord si c'est à Bataro que, elle adresse même, mais, ce qui est sûr, la cible, c'est pas Taro. Même si on me dit quoi, la cible, c'est pas Taro. Vous-même, vous voyez comment, les amis, écrivez-moi en commentaire. Quand vous lisez le texte là, vous pensez que ça s'adresse à qui? C'est pas Taro, non? Non, je vous respecte. 237. Oh yeah! Je vous invite à la découverte de la nouvelle bière centrafricaine Africa Taylor. Africa Taylor est la bière la plus consommée actuellement en République centrafricaine. Je vous invite également à aller directement sur Facebook, sur leur page Africa Taylor. Il y a des jeux concours chaque semaine. Vous pouvez gagner des lots. Abonnez-vous sur leur page, les gars. Je vous dis, la bière là, ça fait la fierté des Centrafricains. Abonnez-vous sur leur page pour ne rien rater. Quand tu consommes cette bière, tu oublies tous tes problèmes. Africa Taylor, la fierté de la République Centrafricaine.